Allez, oui. Merci beaucoup. Merci. Oui, cadeau. Ah, ben, merci. Bon, ben, tiens, hein. Ouais, c'était une première et on a un petit peu difficulté au début. Après, on s'est remis en mode régate la deuxième semaine, là, on a vu qu'on pouvait être compétitif. Alors, on n'était pas très bien placé, on était un petit peu trop à l'est suite à notre première semaine un petit peu mitigée, mais on a réussi à bien s'accrocher. Puis après, il nous manque un petit peu d'heures d'entraînement ensemble pour pouvoir tenir la cadence des quatre premiers. Mais avec un peu d'entraînement, je pense que sur une prochaine, on pourra y arriver. Hein. Ouais, ça s'est bien passé, ouais. Ouais, on s'est trouvé gentiment à bord. On est déjà dans les bricoles du départ là, avec la centrale LKE qui nous faisait des hommes à la mer tout le temps. Donc, il a fallu lui arracher des fils, donc c'est vrai que c'est occupé de ça. Et puis derrière, deux, trois petits trucs avec des pompes. On connaissait pas bien le bateau, donc on a découvert d'abord l'intérieur du bateau, la tête dans le bateau. Et puis après, on a sorti la tête la deuxième semaine, comme disait Cédric. Et puis, dans la galère, on s'est bien trouvé, ouais, donc c'était bien. Et puis derrière, la dernière semaine, donc après le poteau noir, on a déroulé gentiment. Puis bon, c'était plus une bonne ambiance à bord, faire avancer le bateau. Surtout pencher d'un seul côté seulement, si on a fait pratiquement que du bâbord à mur. Donc c'était bizarre. Donc. On a fait notre campement à l'intérieur avec nos poufs installés. Le bateau il penche d'un côté seulement. C'était bien. Je suis content, je savais pas trop ce que j'allais donner, moi en tout cas, sur du long terme comme ça, même dans de la mer dure, savoir si j'allais pouvoir assurer mon poste à bord. Globalement, ça l'a plutôt fait, donc je suis assez content de ça. C'est un nouvel univers de la voile que je découvre et qui est vraiment très sympa.